Et coucou, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Bonjour, on se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes dimanche matin, on est toujours couché. Il est 8h31 exactement. On profite un petit peu du moment câlin. Léna dort, donc aujourd'hui on reste couché. Bon, bien évidemment, je ne vais pas rester avec cette tête toute la journée. Hein. Je suis déjà à moitié préparée parce que je suis déjà habillée pendant que la petite était tranquille dans le cododo. Mais il va falloir que j'aille me faire une face parce que là, ça va pas. Voilà. Hier, j'ai lavé mes cheveux parce qu'ils étaient dans un état. Truc de fou. Aujourd'hui, je vous prends avec nous. On a prévu rien du tout. Aujourd'hui, clairement, on va glandouiller parce que c'est dimanche et on a besoin de repos. Voilà, la nuit a été, comme d'hab, très courte, mais c'est pas grave. Mon cerveau là-dedans, il n'arrête jamais, toujours, toujours, toujours. J'ai l'impression qu'il chauffe à force parce qu'il est toujours en train de tourner, tourner, tourner. J'ai trop de choses en tête, mais bon. Ah là là, allez, bon, je vous reprendrai avec une meilleure face tout à l'heure parce que là, clairement, ça craint du boudin. Tu as quelque chose à dire? Eh, est-ce que tu as quelque chose à dire aujourd'hui? Eh, on est bien, hein, dans le vieux maman. On est bien, hein. On est bien, nous. Eh oui, on est bien. Oh. 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 Ben oui, on est trop bien. Bon, est-ce qu'on en parle de cette magie? Je suis toujours couchée, hein. J'ai mademoiselle qui est ici. Et du coup, je me suis fait mon petit soin du matin rapide et maquillage rapide et ça ira très bien. Il est 9h15, voilà, et Léna dort toujours. Mais bon, on va la laisser dormir, on va profiter hein, parce qu'en ce moment, elle se réveille très tôt. Et je vais en profiter pour vous demander. J'aimerais changer, bon, pas mon alimentation, mais j'aimerais trouver des choses pour mettre sur mes salades. Parce que alors nous, l'été, on mange énormément de salades, de sandwichs, etc. Et je suis à la recherche en fait de graines, des graines qui peuvent vous apporter quand même du fer, etc. Du croustillant à vos salades. Je sais qu'il y a les graines de courge, j'ai vu qu'il y avait les graines de chia qu'on pouvait rajouter. Mais après je ne sais pas réellement quoi prendre. Donc j'aimerais bien que vous m'aiguillez, que vous me dites ce qui est bon à rajouter dans les salades en termes de graines. Parce qu'après moi par contre pour manger tout ce qui est quinoa et tout c'est pas mon truc du tout, j'ai horreur de ça. Mais j'aimerais vraiment varier en fait un petit peu et avoir quand même, parce que je sais que je crois que c'est la graine de chia ou la graine de courge, que ça vous apporte des pas des protéines, des... bon je sais plus, mais ça vous apporte quand même quelque chose en plus. Par exemple nous quand on fait des salades, des fois 2 heures après on a faim, mais là je voudrais vraiment quelque chose qui m'apporte, ah je trouve pas le mot, bon je sais que vous aurez compris. Et voilà, je suis à la recherche de graines. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous mettez sur vos salades. Je sais qu'il y en a qui... Alors moi ça, mon ancienne meilleure amie quand on habitait à Thuriez, donc ça j'avais 10 ans, c'est pour vous dire que ses parents en fait sur les salades ils achetaient, c'était des boîtes en carton à l'époque. Et c'était un mélange où ça faisait comme des flocons à l'intérieur, c'était exprès pour les salades. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne l'ai jamais pu retrouver. Ça c'était super bon, ça faisait plusieurs trucs différents en fait, c'était dans des boîtes en carton. Donc si au cas où vous connaissez et si vous savez où je peux les acheter, pas en 1 kg parce que clairement non, mais en 400 ou 500 grammes, pas super cher parce que j'ai regardé sur Super U au rayon bio. Donc j'ai trouvé chia, les graines de chia et de courge. Mais après voilà, je sais pas, je sais même pas dans quelle aventure je vais me lancer. Mais j'ai envie de changer un petit peu et d'ajouter quelque chose, même si je sais que les enfants eux clairement ne le mangeront pas. Mais c'est pour mettre moi sur mes salades, voilà. Parce que moi je suis quelqu'un qui adore manger plein de salades différentes. Même la salade de patates, pommes de terre avec des œufs, j'adore, ou avec le thon, bon, etc. Mais ça, je vous en ferai des petites recettes ultra rapides pour cet été. Les salades le plus simples possible et qui sont trop bonnes. Du coup, voilà. Et je cherchais aussi autre chose. Là-bas, vous savez que je vais mettre beaucoup de plantes vertes. Mais des fausses.
parce que j'ai pas du tout la main verte, sauf que en fait je cherche des plantes mais qui retombent. Voilà, qui retombent, que je vais pouvoir mettre dans ma cuisine, dans ma salle de bain, un peu de partout. Celles où ça fait des feuilles comme ça, vertes, un petit peu dures, je sais que ça retombe, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Et je sais qu'il y en a plein d'autres. Donc voilà, je recherche vraiment des plantes vertes qui retombent. Si vous savez où c'est que je peux les acheter sur internet pour me faire livrer, ou alors peut-être que vous pouvez faire des boutures et moi je vous les achète aussi peut-être, parce que je sais qu'on peut les envoyer quand même, quand c'est en 48 heures ça ne craint rien du tout. Donc au cas où, voilà, je serai preneuse. Et si vous savez un site de plantes comme ça pas trop cher, parce que nous chez nous ici les magasins, laissez tomber, comme c'est super cher. Il n'y a que les grosses plantes vertes. Là, elles sont chez Lidl, donc ça, j'irai en prendre chez Lidl. Mais toutes ces plantes-là, nous, dans les gammes verts, dans botanique et tout, mais ça coûte une blinde. Voilà. Et je sais qu'il y en a, parce que sur Internet, en fait, sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des vidéos comme ça de personnes qui commandaient sur Internet. Donc, si vous savez où c'est que je peux commander, ou alors que vous, vous avez ces plantes, que vous pouvez me faire des boutures, etc., que moi, je replante après dans un pot, ou voilà, on peut s'arranger, moi, je vous les rachète. Voilà. Et ça me ferait peut-être aussi quelque chose de chez vous. Et oui. Alors après, moi, je sais que ma mère, elle fait beaucoup de boutures. Et que ça part très vite. Et là, je pense que pour ces plantes, ça peut être pareil. Donc au cas où, je serai preneuse. Ça fait déjà quelques jours que je voulais vous en parler. J'arrivais pas à vraiment me poser, vraiment pour vous dire clairement ce que je recherchais. Donc voilà. Donc moi, je veux vos avis pour les graines. Et puis au cas où, pour les plantes vertes, si vous avez des bons plans, je serai preneuse. Et je voulais vous faire une toute petite aparté concernant les culottes, vous savez, menstruelles. Je vous avais dit que je vous en reparlerai, donc je vais vous mettre le lien de la boutique et du code promo en barre d'infos. Tout simplement, ça fait maintenant 5 jours que je les porte, donc je m'en change une le matin, une le soir. Écoutez, je n'ai eu aucune fuite. Lola, pareil, c'est sa période, et bien tout simplement, elle les adore. Et Chloé, depuis hier également, les porte, elle les kiffe. On n'a aucune fuite. Alors, il y en a qui m'avait marqué en commentaire qu'il y avait des fuites, personnellement. Nous trois, on a eu aucune fuite. Donc voilà, je suis méga trop contente. Et d'ailleurs, je vais leur faire un petit message pour leur retour, nos retours à nous. Vraiment, je suis très 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 contente. C'est pour vous dire, j'en avais mis dans le carton que j'avais fermé. Je l'ai rouvert pour les avoir à disposition ici. Alors, je vous le rappelle, hein, il faut les laver à l'eau froide. Et après, une fois, vous les rincez à l'eau froide. Et une fois qu'elles sont rincées à l'eau froide, vous pouvez les mettre en machine. Moi personnellement, je les rince à l'eau froide et je les mets en machine. Généralement, je sais que j'ai des machines tous les jours à faire, donc hop, je la mets. Vu que l'eau froide, ça enlève le... Voilà, hein, je ne vais pas vous dire les mots de bon matin. Mais franchement, top. Je suis très très contente et je vous en referai un retour, je pense, dans 2-3 mois aussi. Mais pour l'instant, au bout de 5 jours que moi je les porte et que mes enfants aussi, ben, franchement, je suis très contente. Elles sont super bien. Vraiment super bien. Vous le savez, je suis franche dans tous mes partenariats, que ce soit bijoux, bougies, vêtements, chaînes, etc. Mais clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit tout simplement qu'elles aussi avaient testé cette marque et avaient adoré. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir le même ressenti. Bon, me revoilà, il est un petit peu plus tard, il est 1h05, je suis toute seule avec Lola et avec Liana. Chloé, Noé et Léna sont au foot, allez voir Mathis. Là j'ai fait ma liste pour, vu que j'ai des boîtes en plastique où j'ai tous mes aliments, les pâtes, etc. et des pots en verre, et bien en fait je suis en train de faire ma liste pour les étiquettes. Parce qu'en fait finalement ça prend du temps, regardez la liste. Voilà, il y a tout ça. Qu'est-ce que t'as? Viens ma fifi. Moi, ma fifi. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que... Elle a à manger, elle a à boire. Qu'est-ce que t'as? Tu vas aller dehors? Bref, du coup, Lola va faire un petit peu des cartons cet après-midi. Et moi, j'en fais pas. Voilà, je devais en faire un peu à Noé, mais non, j'en fais pas. J'attaquerai un petit peu demain, mais là, je vais aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Liana vient de se réveiller, mais elle va se rendormir après. Je m'étais dit autant je filme déjà une partie des trucs Shane, mais en fait non, parce que j'ai pas tout, donc je ne peux pas. Puis clairement j'ai pas envie, là j'attends 13h30, après il y a mon émission sur la 6 des recherches appartements, et voilà.
Rien de folichon, hein. Je vous l'avais dit, aujourd'hui je ferai rien d'extraordinaire. Je reviendrai vous clôturer vers 4h. Je vous dirai si j'ai maté toute l'après-midi la télé et si au cas où je me suis endormie. Parce que ça, c'est fort possible qu'aujourd'hui je m'endorme. Ma mère va chez mon frère, je voulais y aller aussi. Mais clairement, je suis fatiguée. Donc je pense que j'irai un petit peu les voir soit dans la semaine ou soit la semaine prochaine. Parce que je vais profiter parce que après. Je serai plus à côté d'eux, donc je pourrai plus venir les voir comme ça en allant à pied. Mais voilà, aujourd'hui je vous avoue, je suis vraiment en mode décontracté, hein, en legging et en t-shirt. Donc aujourd'hui je mets pas le pied dehors. Bon, on se retrouve, il est 14h41 et vu que je suis toujours devant la télé, je fais rien du tout. Je vais vous clôturer ce vlog, je vous reprendrai demain. Demain, je vais attaquer, je pense, à trier un peu des choses, je ne sais pas dans quelle pièce. Vous verrez, de toute façon, je vous embarque avec moi. Et je pense qu'en fait, clairement, je ne vais pas tarder à mettre en carton mon atelier parce que clairement, c'est le bordel. Et vu qu'on a l'agence qui vient faire l'estimation de la maison dans pas très longtemps, je pense que je vais commencer à mettre des choses en carton. Moi, je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bye bye!